La première. Hello, this is Brian Jones, the Rolling Stones. Sometimes called Rolling Jones by his fans. And he plays rhythm guitar and harmonica with the group. 11h30, 13h. Kids come to see us to have a good old rave up, you know. If there was no Brian Jones, there'd be no Rolling Stones. He enlisted each member one by one into his band. He chose the style of music he would play. So Brian was the Rolling Stones, really. It was his band. Entrée sans frapper. Notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper est Patrick Boudet. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme. Vous êtes le réalisateur de La vie de Brian Jones, c'est à voir demain, 18 février à 22h30, sur Arte. Très très beau documentaire sur la vie de ce Rolling Stone. Je rappelle les grandes dates évidemment de La vie de Brian Jones. Il est né en 1942, britannique bien sûr, il va mourir en 69 à 27 ans, c'est lui qui va inauguré, hein. C'est la première grande star du rock à mourir aussi jeune. Et à 27 ans, inauguration évidemment du fameux club des 27. C'est celui qui va finalement créer les Rolling Stones. Non, non, c'est pas Mick Jagger et Keith Richards. C'est lui qui va donner le nom au groupe. C'est lui qui va engager ses membres. C'est lui qui va décider de la ligne musicale. Il veut jouer du blues. Il est obsédé par le blues. Il est d'ailleurs un des premiers joueurs de slide guitar en Grande-Bretagne. C'est lui qui va trouver les premiers petits concerts, les impresarios, qui va se dire il faut un agent. C'est lui qui va vraiment être le moteur des Rolling Stones. Au début, il va connaître un immense déboire amoureux avec Anita Pallenberg. Il va connaître évidemment une chute dans l'alcool et les barbituriques et les différentes drogues. Et surtout, finalement, celui qui va devenir le manager des Stones, Andrew Lou Goldham, va focaliser son attention sur deux autres membres que sont Mick Jagger et Keith Richards. Il va un petit peu les enfermer dans un appartement et leur dire « Vous écrivez ». Et c'est ce duo d'écriture qui va un petit peu éclipser Brian Jones de son propre groupe. Finalement, il va en être viré en 1969, un an et un mois après, on va le retrouver mort dans sa piscine. Extrait bande-annonce de ce documentaire. C'est lui qui a lancé le mouvement. Sans Brian Jones, il n'y aurait pas eu les Rolling Stones. Pendant les premières années, il a même été le leader du groupe. Il lui a ajouté une touche de magie noire qui a imprégné toute la culture populaire. Il était parti pour devenir une méga rock star. Sauf qu'il a commencé à perdre pied et à repousser les limites au maximum. Alors Patrick Boudet, c'est un magnifique sujet, hein, Brian Jones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce jeune garçon, de quel univers familial ? Parce que si quelqu'un va bien représenter la rébellion et la possibilité d'une autre vie que celle de ses parents au tout début des années 60, c'est Brian Jones. Alors, il vient d'une petite ville de province, enfin, une ville moyenne, Cheltenham, et il est issu d'un milieu bourgeois. Son père est ingénieur chez Rolls-Royce pour les moteurs d'avion, et sa maman est professeur de piano. Il vit dans un univers extrêmement bourgeois. Il apprend la musique à l'âge de 6 ans. C'est un élève brillant, sage au début, et qui va glisser vers l'indiscipline et la révolte. Et il va apprendre, après le piano, il va se mettre au saxophone, puis à la guitare. Voilà à peu près le cadre. Il vit dans un univers assez aisé, à la différence des autres Stones, à l'exception de Mick Jagger. C'est les deux seuls qui sont, et puis de tous les autres membres de groupes de rock de l'époque, que ce soit les Beatles, etc. Voilà son univers. C'est quelqu'un aussi de très solitaire et qui, dans sa vie, dans la vie familiale, parce que vous avez parlé de sa trajectoire un peu, on va dire, un peu rapide, mais le film revient principalement, parce que c'est aussi un film psychologique, sur tous les accros de sa vie et qui ont constitué sa personnalité. C'est-à-dire qu'il a une sœur qui va décéder assez jeune d'un cancer, et ça va être un drame familial sur lequel... la famille ne va rien dire et ça va devenir un vrai problème à l'intérieur parce que c'est une famille protestante, son père est un gallois et il y a un enfermement très puissant au sein de cette famille et c'est contre ça qu'il va aussi se révolter et effectivement trouver un échappatoire dans cette musique dont il est l'un des seuls à écouter, c'est-à-dire le blues électrique et l'un des seuls
avoir en celle-ci, pardonnez-moi, que c'est une musique qui va révolutionner la musique qu'écoutent les jeunes, ce qui n'est pas le cas à l'époque. Ouais, il le sent, hein, il sent que le blues va être la musique de la jeunesse, même s'il va falloir lui donner évidemment un petit coup de jeune à cette musique, et c'est ce qu'ils vont faire bien sûr avec les Rolling Stones. Ce qu'il faut dire, c'est quand même pour montrer l'indiscipline du jeune garçon, c'est qu'à 15 ans, il est deux fois père déjà, hein, à 15 ans, et il ne reconnaît pas les enfants, la famille essaye qu'on éteigne évidemment un petit peu le feu, il sera père un peu plus tard encore, et là il reconnaîtra ce troisième enfant pour expliquer un petit peu le genre de jeunesse du garçon. Sa fascination, c'est le blues, la guitare, l'harmonica, le saxophone, enfin les instruments qui tournent autour de cela. Et puis il y a un musicien qui est très important, c'est Alexis Korner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Alexis Korner et ce qu'il va représenter dans la vie, non seulement de Brian Jones, mais aussi des futurs Rolling Stones? Alors, Korner faisait partie des deux musiciens, avec John Mayall, et principalement Korner, qui ont essayé de diffuser le blues en Angleterre. Bon. Jusqu'à présent, à cette époque, en dehors du rock'n'roll, la plupart de la jeunesse écoutait du jazz assez traditionnel. Hein. Les Anglais sont très portés sur le jazz traditionnel et pas le bebop, etc. Et il avait décidé d'organiser des tournées en Angleterre. On présentait quelques bluesmen qu'on faisait venir des États-Unis et lui interprétait. Et Brian Jones le rencontre parce qu'il achète tous les disques de blues, etc. Il essaye de s'en procurer. Et quand il a cette conversation avec Alexis Korner, Korner lui dit « Non mais écoute, te lance pas là-dedans, c'est une musique ethnologique. Enfin, je veux dire, moi je fais ça pour faire découvrir une facette de l'Amérique, mais ça n'a aucune chance de rencontrer un quelconque succès. » Mais Brian Jones ne l'écoute pas et il monte à Londres et il persiste à jouer du blues. Et c'est notamment par Alexis Korner hein, que va se faire hein, la rencontre avec Mick Jagger, Keith Richards. Il va former hein, finalement les Rolling Stones autour hein, de lui avec Charlie Watts, Bill Wyman qui est évidemment en arrivage aussi. Ils vont habiter dans un appartement, c'est ce que montre le documentaire. Ça va être un bordel absolument fou dans cet appartement. Bordel tellement fou que même Keith Richards va dire c'est un peu trop. On va aller habiter autre part, nous, avec Mick Jagger et Andrew Lou Goldman, qui est devenu le manager des Rolling Stones, qui va absolument tout changer, parce que même si c'est le groupe de Brian Jones, les Rolling Stones, on l'a bien compris, c'est lui qui décide du nom du groupe, c'est lui qui va regrouper autour de lui tous les musiciens, c'est lui le musicien le plus influent, le plus mature dans le groupe au début, c'est lui qui va comprendre qu'il faut un impresario en argent, c'est lui qui va chercher les premiers concerts, et pourtant, quand il va y avoir ce manager Andrew Lou Goldman, il va un peu isoler Mick Jagger et Keith Richards de Bill Wyman, et il va dire aux deux, c'est vous qui avez le talent, c'est vous qui savez écrire, et vous allez écrire. Est-ce que c'est là, c'est la première très grande rupture qui va créer la chute de Brian Jones? Alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que Oldham pressent qu'effectivement que reprendre des classiques du blues, enfin ce que font les Stones, hein, c'est un groupe de reprises au début. Sur les deux premiers albums. Hein. Même sur le troisième, c'est ce que dit McCartney hein, en parlant des Stones aujourd'hui, il dit c'est un groupe de reprises et il sent bien que l'argent, il se trouve dans la composition. Et les Beatles, effectivement, engrangent les livres parce que ils sont des compositeurs. Et comme c'est un pragmatique, il voit bien que Jagger et Richards sont peut-être les deux qui peuvent instrumentaliser et qui sont efficaces, ils sont sérieux. Brian Jones, il est peut-être un peu plus dilettante. Et c'est la raison pour laquelle il les isole. Si Brian Jones avait pu avoir cette constance qu'avaient Richards et Jagger, il aurait fait partie du groupe. Mais c'est vrai que son attitude fait que c'est le premier moment où il s'exclut, d'une certaine manière. Alors, c'est pas vraiment les autres qui l'excluent, mais il s'exclut de par aussi son attitude. C'est ça, toute l'ambiguïté de Brian Jones. Et c'est ça la raison pour laquelle sa trajectoire est tragique. C'est-à-dire que c'est un garçon brillant et qui, progressivement, s'exclut de la chose, de son rêve.
d'une certaine manière. Il va s'exclure de son rêve. Ce qu'il faut noter à propos de Brian Jones, c'est même si c'est pas lui le grand script des Rolling Stones, c'est évidemment Jagger Richards aux arrangements. Il a amené des choses absolument folles dans les Rolling Stones et qui ne seraient pas les Rolling Stones évidemment sans lui. C'est lui qui va amener l'harmonica, qui va amener le dulcimer, les marimbas, le sitar bien sûr, le mélotron dans les Rolling Stones. Tous les arrangements un peu fous des Rolling Stones, ils sont signés Brian Jones, en tout cas jusque 1969. Mais premier exemple, c'est l'harmonica de I Just Wanna Make Love to You. Ça, c'est le premier album des Rolling Stones en 1964. Et puis, son influence, elle va se marquer de disque en disque. Pour moi, le plus important, deux importants, Aftermath et Their Satanic Majesty's Request. Sur Aftermath, on a un morceau, on va se poser d'ailleurs, on va l'écouter en entier. C'est Lady Jane, balade acoustique sur laquelle Brian Jones joue du dulcimer. C'est lui, vous allez voir, qui au début fait cette mélodie absolument folle et puis un peu plus tard dans le pont de la chanson. Brian Jones dans ce qu'il avait de plus incroyable, c'est dans Lady Jane. Et ensuite, on retrouve notre invité Patrick Boudet pour continuer de parler de la vie folle de ce musicien. When life is night, my love. Life is secure with Lady Jane. Chef-d'œuvre absolu, Lady Jane, les Rolling Stones, c'est sur l'album Aftermath en 1966. Notre invité, c'est Patrick Boudet. Son documentaire La vie de Brian Jones, que j'ai vu, qui est vraiment formidable, est diffusé demain, le 18 février à 22h30 sur Arte. On continue à parler avec vous, Patrick. J'ai dit une bêtise, par contre, merci à nos auditrices et auditeurs. C'est pas Brian Jones qui va inaugurer le Club des 27, c'est Robert Johnson. Donc, désolé. Exactement, je pour voulais pas vous reprendre, mais, mais Robert Johnson, c'est un bluesman et. Et Brian, il inaugure le Club des 27 des musiciens de rock. Oui, c'est ça, oui. Voilà, j'avais fait une petite erreur et je l'assume totalement. Non, mais... Désolé. On va voir ce qui a fait finalement que Brian Jones va avoir une vie si courte, il va sombrer, surtout s'exclure du rêve qu'il avait créé et qui fonctionnait plutôt pas mal en plus. C'est aussi une histoire d'amour. Il va rencontrer très vite une femme qui est une mannequin assez populaire à l'époque et une merveille absolue qui s'appelle Anita Pallenberg et qui va avoir son histoire dans la vie des Rolling Stones, c'est sa grande histoire d'amour et c'est aussi un immense motif de rupture avec le groupe. À vrai dire, je sais pas. C'est effectivement l'histoire qu'on amène souvent sur le devant de la scène. C'est un des éléments notables. Mais il faut remettre ça en perspective. Ce qui est intéressant avec Anita, c'est que elle va former avec Brian le couple rock par excellence. Parce qu'on a oublié, on a parlé beaucoup de musique, mais Brian Jones, c'est un look avant tout. On va en parler. Mick Jagger, et Keith Richards auront un look vers la fin des années 60 et surtout au début des années 70. Mais Brian Jones, c'est un vrai dandy. C'est un dandy. Il a une vraie gueule. Et quand il rencontre Pallenberg, Mick Jagger, il a un côté de garçon de lycée propre, etc. Mais et il sort avec une jeune fille qui est la sœur d'un mannequin. Bon, tout ça, c'est... Mais quand Anita Pallenberg arrive, c'est un couple sulfureux. Et c'est ça qui fait toute la magie des Stones. Les mauvais garçons, c'est Brian Jones, c'est ce qu'a inventé, mais en fait il l'a pas vraiment inventé. Il a Oldham, qui était un publicitaire, en regardant Brian Jones, il a tout de suite compris qu'il fallait aller dans ce sens-là faire une différence avec les Beatles. Et Brian Jones, il était très en avance sur tout le monde. Après, bien évidemment, Keith Richards va creuser son propre sillon, il va reprendre, il va marcher dans les pas de Brian Jones sur ce plan-là, mais c'est un vrai couple sulfureux. C'est le premier couple rock, elle est magnétique, Anita Pallenberg.
Et un jour, ils vont partir au Maroc. Hein, dans la voiture, il y a Anita Pallenberg, il y a Keith Richards, il y a Brian Jones, etc. Et ils partent au Maroc, tout simplement. Et sur la route, eh bien, Brian Jones est malade. Et il doit s'arrêter. On l'emmène à l'hôpital. Et à l'hôpital, on dit, ben, on va garder un petit peu votre copain maintenant. À l'époque, les Stones, ils sont pas très aimés. Hein, parce que ils sont vus comme des mauvais garçons. Donc, on leur dit, vous, vous dégagez. Et donc, ils dégagent. Et une fois que Brian Jones va arriver au Maroc une semaine plus tard et qu'il a laissé sa petite copine avec Keith Richards, il les retrouve et eux deux ont commencé une histoire d'amour. Ça, j'imagine que c'est une forme de trahison quand même au sein du groupe parce que ses amis disent en tout cas qu'il ne se remettra jamais de cette histoire d'amour avortée, non, en plus avec son copain du groupe. Je pense que ça a été quelque chose de violent. C'est aussi là, autour d'Aftermath, hein, Satisfaction, on rappelle, c'est l'immense succès 1965, ça devient des stars immenses. 66, Aftermath, 67, Their Satanic Majesty's Request. Enfin, c'est un groupe absolument colossal. Et les problèmes de drogue sont là en même temps. On connaît des épisodes fous dans la maison de Keith Richards où la police va arriver pour saisir finalement pas grand-chose. Hein. Mais lui va avoir des énormes problèmes avec la justice, en fait. C'est lui qui est dans le collimateur de la justice plus encore que les autres, non ? Alors, exactement, parce que Mick Jagger et Keith Richards, ils s'étaient très peu drogués véritablement. Ils avaient peut-être fumé des joints, mais ils commencent assez tardivement. Alors que Brian Jones, lui, il flirte avec les limites. Donc, il essaye tout. Et puis, il va être aussi dans le collimateur, mais principalement parce que ils incarnent quelque chose qui, dans l'esprit de l'époque, est susceptible d'influencer la jeunesse. Eh oui. Bon, toutes les rockstars prennent de la drogue, George Harrison, etc. D'ailleurs, lorsque la police intervient dans la maison de Keith Richards, la police attend que George reparte pour intervenir. Parce que il faut surtout pas toucher aux Beatles, etc. Mais c'est vrai que Brian Jones est plus dans le collimateur, comme le sont Jagger, mais Jagger et Richards s'en sortent d'une pirouette. Alors que Brian Jones, ça va l'impacter psychologiquement, ces deux condamnations qu'il va subir. Ça va vraiment l'impacter. Il va faire une erreur, il va plaider coupable. Ouais. Alors que les autres n'ont pas plaidé coupable. Et dès l'instant où il plaide coupable, on lui retire son passeport. Et donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas tourner aux États-Unis. Ça veut dire qu'il ne peut plus avoir de visa pour les États-Unis. Et ça pose un énorme problème aux Stones. Exactement, parce que les Stones envisagent de refaire une tournée en 69, aux États-Unis, en novembre-décembre 69, laquelle tournée s'achèvera par le fameux concert d'Altamont. Mm-hmm. Et Brian Jones ne peut plus faire partie de ce groupe. Donc, il s'est à nouveau encore exclu du groupe, et il va être véritablement exclu du groupe. Et ça, évidemment, ça va être la suite de l'histoire. Sébastien Ministru. Justement, à propos de la suite de l'histoire, une question qui accélère un petit peu le déroulé du récit. Est-ce qu'on sait si, au moment de sa mort, Brian Jones a des projets de groupe, solo, d'autres choses ? Est-ce qu'il a des ambitions autres que celles qui se rapportent aux Stones ? Il en parle. Il a l'ambition de former un groupe à la Creedence Clearwater Revival. Il en parle avec Alexis Korner qui vient le voir parce que, en fait, c'est Alexis Korner qui est dépêché par les Stones pour tâter le terrain, pour savoir, pour lui le préparer au fait qu'il va être exclu du groupe. Hein. Mm-hmm. Donc, il a des projets. Brian Jones, à cette époque-là, est quand même très fatigué, très imbibé, mais il a des projets. Après, c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement composé. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il aurait donné par la suite. Mais par contre, j'ai oublié de mentionner une chose. Quand il va au Maroc, vous avez parlé de cela, mais il y va souvent pour enregistrer les flûtes de Joujouka, qui sont des orchestres soufis. Mm-hmm. Et c'est l'un des premiers à s'intéresser à la world music. Ouais. Ce qui est assez incroyable, quand même. Ouais. Et Le blues, il s'intéresse à la world music. Personne ne s'intéresse à ce genre de choses. Ouais. Et on rappelle que les Stones vont précéder les Beatles, d'ailleurs, hein, dans cette découverte, puisque Revolver va sortir 4 mois plus tard, à peu près, l'album des Beatles, avec une influence évidemment réelle de George Harrison dans l'histoire. La suite de la vie de Brian Jones, et on va écouter des chansons et voir l'impact musical qu'il avait sur le groupe, c'est tout de suite.
La première. He was kind of like a butterfly, a little bit. But he was a very good musician, but he used to jump around, you know, from one thing to the other. 11h30, 13h. And he was the first person in this country that ever played a slide guitar I ever saw. I mean, everyone plays slide guitar now, but he was the first person ever to do it. Entrée sans frapper. Il va devenir de plus en plus ingérable, il va s'exclure du rêve qu'il avait pourtant créé, à savoir les Rolling Stones. On parle de la vie de Brian Jones aujourd'hui, d'entrée sans frapper. Patrick Boudet, notre invité, a réalisé un documentaire, La vie de Brian Jones, qui est à voir demain, 18 février à 22h30, sur Arte. Sébastien Ministru, vous vouliez poser une autre question à notre invité. Mais c'est une question qui est un peu bête. Mais c'est une question que je me pose vraiment, et on ne sait pas y répondre, c'est pour ça qu'elle est bête, mais je voulais savoir quel est votre avis, vous, puisque le récit et l'histoire de Brian Jones a été complètement, enfin, a été interrompu, on ne sait pas du tout ce qu'il aurait pu penser de la suite de la carrière des Rolling Stones, qui sont devenus ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire une marque, une entreprise. À votre avis... Ça change quoi, la mort de Brian Jones dans l'histoire des Rolling Stones? Oui, comment il aurait regardé la suite de la carrière des Stones avec les épisodes qu'on connaît, Black and Blue, Miss You, blablabla, Some Girls? Alors, il y a deux questions. Je pense que tout ça, c'est une hypothèse. Il eût fallu que Brian Jones ne soit pas aussi abîmé et qu'il puisse être, disons, posséder son esprit d'une manière plus complète. Mais c'est vrai que le paradoxe, c'est que les Stones ont commencé dans le blues, se sont égarés dans une espèce de pop et reviennent avec Beggar's Banquet à leur basique, c'est-à-dire au blues. Et ils vont faire de plus en plus de blues rock. Keith Richards va découvrir, comment dirais-je, une autre manière de jouer de la guitare, etc., etc. Bon, et c'est vrai que Brian Jones avait encore plus sa place dans les nouveaux Stones. Et il aurait été fabuleux de le voir évoluer dans les albums qui vont suivre, Sticky Fingers, etc. Bon, néanmoins. Quand vous écoutez Mike Taylor, parce que il y a une grande différence générationnelle qui se met en place, c'est-à-dire que il y a tout un tas de nouveaux musiciens qui vont arriver, qui vont être de plus en plus brillants, Mick Taylor, Jimi Hendrix, etc. Et les partitions de Mick Taylor sur les albums, que ce soit Sticky Fingers, Exile ou même It's Only Rock'n'Roll, elles sont absolument fabuleuses. Donc c'est difficile de projeter. Après, qu'est-ce qu'il aurait appréhendé de ce que sont devenus les Stones? Bon, les Stones aujourd'hui sont une marque comme tous les groupes. Aujourd'hui, ils sont tous des marques. Mais néanmoins, les années 70, disons à partir de Engie, ça a souvent été critiqué. Il y a quand même encore de bons albums durant la fin des années 70 et le tout début des années 80. Mais néanmoins, les albums sont, disons, plus incomplets. Mais il y a quand même toujours deux ou trois chansons qui sortent du lot. Et on invite au passage tous ceux qui critiquent Angie à nous écrire une chanson au moins aussi bonne dans l'après-midi. Et ensuite, on en parlera. 12h43, j'ai envie de marquer vraiment l'importance de Brian Jones dans les Rolling Stones, l'importance musicale en tant qu'arrangeur, en tant que musicien. Là, on reste sur l'album Aftermath en 1966. Ben, c'est lui qui a amené, par exemple, les marimbas dans Under My Thumb. C'est lui aussi, par exemple, qui va amener le sitar sur cette chanson immortelle, Painted Black. Colossal aussi, hein, le sitar sur Painted Black. Pas moins, pas plus que le mélotron qu'il impose sur She's a Rainbow. We'll be right back.
Introduction, on est d'accord, ça met tout le monde d'accord, ce mélotron, ça montre hein, l'aspect mélodique, formidable arrangeur, formidable musicien qu'il était. Les Stones y vont enregistrer Beggar's Banquet en 1968, là il est déjà très très absent, hein, notre ami Brian Jones. Ils vont faire le fameux Rock'n'Roll Circus, hein, le dernier concert auquel il va participer. Il s'est complètement marginalisé, Ledwidge Bleed va se faire sans lui. Alors, il y a des légendes. Comment est-ce qu'il se fait virer des Rolling Stones? Est-ce qu'on sait qui décide et qui va lui annoncer qu'il ne fait plus partie du groupe qu'il a créé? Alors, ceux qui lui annoncent, c'est Jagger, Richards, et ils emmènent Charlie Watts, je crois, en voiture. Mm-hmm. Ils vont lui dire, il le pressent plus ou moins, il sait que il pourra pas aller aux États-Unis, que c'est pas possible. Ouais, mais, et que la tournée est prévue. Hein. Et que la tournée est prévue. C'est une décision quand même néanmoins difficile parce que c'est la première fois qu'un membre d'un groupe dans les années 60 sort, un membre aussi prestigieux, mm-hmm. ça n'est jamais arrivé. Donc c'est une décision quand même difficile en termes d'image, hein, pas uniquement en termes de musique, mais en termes d'image, c'est une décision, c'est la première fois que ça... Et puis, de la même manière, si on va en parler ensuite, de la mort, ça sera aussi, c'est la première fois qu'un dans un groupe aussi célèbre qu'un membre décède. Donc mm-hmm. ça a une déflagration énorme. Énorme. On va parler hein, de ce jour du 2 juillet 1969. Il y a une soirée chez Brian Jones avec plein d'invités et il y a diverses théories, certaines complotistes, d'autres pas, sur la mort de Brian Jones. Alors, plein, ils sont pas très nombreux, hein, ils sont 5 ou 6. Hein, mmh. Alors, la théorie complotiste... en fait, personne ne sait. Moi, je là-dessus, j'ai pas voulu épouser une thèse parce que je suis pas sûr que ça soit la chose la plus importante du film. Ce qui était important, c'est de remettre Brian Jones à sa place, d'éviter de lui coller les clichés dans lesquels on l'a toujours enfermé, c'est-à-dire un junkie, un type brillant, machin. Enfin bon, voilà. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est quand même, c'est des jeunes gens, quand même, hein. Mmh. C'est vraiment des jeunes gens. C'est-à-dire, vous avez parlé de Stromae qui est passé sur une chaîne nationale française pour expliquer tout son blues oui. et son envie de se suicider. Mais imaginez, à cette époque, il n'y avait pas de... Ces gens-là ont été jetés comme ça en pâture au rock business. Ils n'avaient pas d'armes pour se protéger, ils n'avaient oui. pas de psychologue, ils n'avaient rien. Enfin, c'était, quand ils tournaient, c'était, ils dormaient dans des chambres d'hôtel pas toujours prestigieuses. Ça a beaucoup changé, mais ils étaient sans défense. Et c'est aussi ça, l'histoire des Stones, ce qu'elle raconte en creux, l'histoire de Brian Jones, c'est un univers impitoyable, le rock business, et ils n'avaient pas de protection. Voilà, il meurt hein, le 2 juillet 1969. Si vous voulez voir l'impact, la vie de Brian Jones, c'est demain sur Arte à 22h30. Le documentaire de notre invité Patrick Boudet s'appelle « La vie de Brian Jones ». Merci Patrick d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci, bonne journée.